Eh bien, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Exceptionnelle! Come on, regardez ça. 7000 points de succès. J'ai fait un rush pendant 4 ou 5 jours. Je sais plus exactement combien de jours, mais 4 ou 5. J'étais à 4000 points, je crois. Et j'ai fait un rush jusqu'à 7000. Boum! Je me suis dit, allez hop, faut que je rush. Juste après le Dofus pour. Et bah voilà, du coup j'ai fait un rush les gars, donc voilà, 7000 points de succès sur toute ma team. Alors, vous pouvez voir du coup ma team qui est plutôt à 6950, 6920 ici. C'est parce qu'en fait, il y a des donjons que je gère pas, tout simplement. Enfin, il y a des donjons chiants surtout, et surtout en fait, la principale raison c'est parce que ce soir, si j'avais terminé trop tard, j'aurais pas pu vous tourner la vidéo en direct. Sachant que ce soir les gars, j'ai déjà un autre objectif, c'est de monter 199. Dès que j'ai terminé cette vidéo, je vais monter 199, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, il y a plein de trucs chiants là, que c'était chiant à faire, du coup je me suis dit vas-y, c'est pas grave, je suis à 7000. Je suis à 7000 en tout cas, je suis à 7000 sur le CRA. Voilà, et sur le reste, je suis à 6920 comme vous pouvez voir. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vider mes pods. Ouais, au pire, les gars, je fais une pause, je vide tout ça et je vous dis à tout de suite. Ok, les gars, alors effectivement, je suis en train de réfléchir à un truc parce que. Bon, je regardais juste les ressources déjà. On en a quand même pour 1 million de ressources. C'est juste des donjons que j'ai fait, hein. J'ai pas accepté de succès, voilà. La puissance d'une team de 8, hein, tout simplement. Hop, oui, donc je voulais vous dire, en fait, là j'ai 1 million 3, enfin j'ai même 1 million 4 sur mes mules, grâce aux quêtes Tour du Monde. Du coup, les gars, je pense que je vais tout donner au CRA. Comme ça, vous verrez que quand je vais accepter les succès, j'aurai pas de Kama sur moi, et comme ça, vous verrez en fait le nombre de Kama que j'aurai. Voilà, vous verrez tout simplement le nombre de Kama que j'aurai. Donc là, vous pouvez voir, bon, du coup, j'échange un petit peu tout ce que j'ai comme ressources. Je vais vraiment tout donner. Je pense que je vais vraiment tout donner. Hop. On va tout donner. Comme ça, je saurai exactement. Sauf les items, ça sert à rien. Même les Kama, du coup, on donne. Voilà, on donne tout au CRA, les gars. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo hier, les gars, j'avais dépassé les 100 millions de Kama, comme vous pouvez voir ici. Et donc, bah voilà les gars, là ça va être une vidéo, les gars, je vais accepter, mais ça va être un délire. Je pense, honnêtement, là le serveur, si jamais, attendez, on est quel jour? Là je tourne cette vidéo samedi. Et bah voilà, il va être 20h. Si jamais, vers 20h10, enfin bref, si jamais dans la soirée il y a des problèmes, si le serveur il crash, ce sera de ma faute, parce que j'aurais fait exploser le serveur. Tout simplement. Là je vais accepter quand même 7000 points, enfin, c'est plutôt 4000, hein, que je vais accepter, parce que j'avais déjà fait des vidéos dessus. Mais ça va être quand même un truc de malade. Imaginez accepter quand même 4000 points sur une team de 8. Je pense que ça va être tout simplement dingue. Bref, sur ce les gars, je fais la pause, je continue l'échange, je donne les Kama et je vous dis à tout de suite. Ok les gars, donc voilà, on se retrouve du coup pour le dernier échange. C'est mon roublard. Donc voilà. Ah les gars, je vous cache pas, je suis hyper excité, je suis hyper impatient. Je sais pas ce que ça va donner, n'hésitez pas, avant que j'accepte là, dans quelques secondes, n'hésitez pas à mettre vos pronostics. Pronostics, vous avez compris le jeu de mots, ouais, c'était pas marrant, bref. Non mais sérieux, n'hésitez pas à me dire combien de niveaux je vais prendre. Donc là, je vous montre, toute ma team est niveau 174. N'hésitez pas à me dire combien de niveaux je vais prendre et combien de Kama je vais prendre par personnage. Alors moi, je vous dis tout de suite, avant que j'accepte, je pense que je vais être niveau 185. Je pense que je vais prendre 10 à 11 niveaux. Encore une fois, c'est je pense. Mais sinon, à part ça, j'en sais rien. Donc voilà, c'était le dernier échange, les gars. Vous allez assister. Je vous dis tout de suite, le serveur Hagrid, s'il est en cours d'extinction, ce sera de ma faute. Et si je crash, ce sera de ma faute aussi. Bref, donc voilà, j'ai combien de Kama, les gars. Vous pouvez voir, hein, avant que j'accepte, j'ai 111 540 000. Je mets tout dans ma banque. Voilà, j'ai même 11 565 192 Kama. J'ai plus rien sur moi. Je vais enlever les DD de tous mes persos. Parfait.
c'est quoi ce bug là? Hop. Ok. Je suppose qu'on va commencer par la crate. On va la mettre ici là. Là, vous voyez là, il y a un logo Kama qui est argenté. Je revérifie une dernière fois les gars, et ensuite on va accepter ensemble. Je vous cache pas que là mon cœur y bat à 1000 à l'heure. Alors, toute ma guilde, tous mes persos sont à 0%. C'est ok, il n'y a pas de fail, 0000, c'est bon. Dragodinde, 0% et je suis pas dessus, c'est ok. Mais je crois que les gars on peut y aller. Hein. Je crois que je vais arrêter de vous faire patienter. Franchement je tremble, hein. C'est la première fois que ça m'arrive mais je tremble. Hein. Je vais juste vous montrer juste un rapide, regardez. Regardez, regardez. Regardez ça. À chaque fois, il y a des kamas, des ressources, des millions d'XP. Bref, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Ça fait déjà 6 petites minutes de vidéo, vous en faites pas. Ça va être très rapide parce qu'après, je vais faire une deuxième partie ce soir. Où vous allez comprendre tout ce qui est ressources. Donc, je revérifie, les gars, je suis désolé. Mais je sais que je suis en train de vous faire galérer, mais je me fais galérer moi-même. Mais c'est parce que ça fait 5 jours, les gars. 5 jours que je rush pour attendre ce moment-là. Donc, toute ma team est à 0%, je revérifie une dernière fois, je sais. Dragodin, je suis pas dessus, de toute façon 0%. C'est bon, vous êtes prêts? Donc mon personnage est à niveau 174, tout simplement, 174. Comme tous mes persos. Allez, que la chance et que l'expérience et tous les kamas soient avec moi, j'ai bien 0 kamas sur moi. Vous voyez ici, 0 kamas, 0 ressources, c'est bon. C'est parti! Un niveau, donc 175. 176. 177. 178. Donc j'étais 174. Hein. Bon, c'est beaucoup plus lent que d'habitude, les gars, parce qu'il y a 4000 succès que je suis en train d'accepter. 179. 180. 180, j'ai déjà pris 6 niveaux. 181. Mon dieu. 182. C'est quoi cette vidéo? C'est quoi cette vidéo? 183, c'est pas terminé, mon dieu. 183, elle est pas molosse, pas molosse. 184. Ah, 184, 10 niveaux. 10 niveaux. 10 niveaux. 10 niveaux. Oh, comment on est. Là, ça a duré quoi? 30 secondes, j'ai tout accepté, j'ai pris 10 niveaux. J'étais 174, les gars. 174. Maintenant, le truc que vous attendez le plus, c'est combien de Kama, Joy? Combien de Kama? Est-ce que vous... Je sais pas, je stresse. Je stresse, je stresse. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je mise, j'espère 10 millions, mais ça paraît beaucoup. Je miserais plus sur 5 millions de Kama en cash. Non, 6 millions. 6 millions en cash. Je serais déjà très heureux. Vous êtes prêts? 5 millions. Bon, on peut voir 4 millions ici. 4 millions 6 même en cash. Finalement, c'est pas dégueulasse. Hein, parce que bon, je parlais de 10 millions, mais c'était une blague. Bien évidemment, il aurait fallu beaucoup plus de succès. Et finalement, j'étais parti sur 5 à 6 millions de Kama. Donc au final, je me suis quand même fait 4 millions 6 en cash. Pourquoi ils me disent que j'ai encore des ressources? Ah, c'est senior. Bah, je vais l'accepter aussi. 4 millions 6 en cash, les gars. On va juste faire un rapide calcul, histoire que vous compreniez combien ça me fait de Kama, parce que j'ai 8 personnages. 4 millions 6, 46 000. Fois 8. Merde. Voilà. Voilà combien je viens de me faire de Kama. Avec, en acceptant des succès. Avec un seul clic, je viens de me faire 37 millions de Kama. Et en ressources, les gars, on en a pour 3 millions 5 fois 8 encore. Je vais aussi sortir la calculette. 3 millions 5 de ressources fois 8. 28 millions. Plus 37 millions. Ça nous fait donc 65 millions de Kama. C'est un truc de malade. Bon, je suppose que vous avez envie... Regardez. Vous voyez pas le nombre de... Le nombre ici, 10, 11,
1, 10, ça c'est les ressources que je suis en train de gagner. Tellement j'ai accepté de succès, regardez, 1, 3, 1, etc. Bref, je suppose que vous avez envie de voir le reste de mes personnages. On se met sur le logo. On est bien à 0%. Et puis c'est parti mon kiki. Let's go! 175. Bon, je suppose, bah, du coup, pas trop de surprise, hein. Toute ma team va up 184. Je suis tellement heureux, les gars. Et juste, je sais que quand vous regardez cette vidéo, les gars, tout ce dont vous avez envie, c'est de faire comme moi. C'est-à-dire, monter une team de 8, faire ce que je suis en train de faire, accepter des succès en masse. C'est incroyable. Je sais, les gars, et dites-moi, hein, dans l'espace commentaire, si cette vidéo vous donne envie, en fait. Si elle vous donne envie de jouer, si elle vous donne envie de faire des succès, si elle vous donne envie de faire des teams, peut-être que vous pouvez pas, peut-être que vous n'avez pas l'argent pour abonner une team, peut-être que vous n'avez pas le PC pour connecter une team de 8. Mais bref, voilà, regardez cette vidéo incroyable, les gars. Je vous dis tout de suite, hein, ce genre de vidéo, il y en a... Bah, déjà, dans YouTube Game d'Ofusien, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens, quand ils font des succès, et vous aussi sans doute, vous acceptez. Moi, je déteste ça, je préfère accepter tout d'un coup. Je viens de prendre 10 niveaux. 4,6 millions de Kama et 3,5 millions de ressources. C'est incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire. On va enchaîner, les gars, parce que j'ai quand même 8 personnages. C'est incroyable. Je revérifie. 0%, 0%, c'est bon. Dragodin de 0. C'est parti pour le Pandama. Bref, les gars, franchement, s'il vous plaît, s'il y a bien une vidéo sur ma chaîne qui mérite quand même un maximum de pouces bleus, je pense que c'est... Enfin, il n'y en a pas qu'une de vidéo, mais je pense que celle-ci, les gars, ça me ferait plaisir si vous pouviez lâcher un maximum de pouces bleus, les gars. Vraiment, parce que là, pff, je suis motivé plus que jamais, quoi. Vraiment, regardez ça. C'est un délire. Ce qu'il faut que vous compreniez, les gars... Attendez, j'ai pas calculé combien d'XP j'ai pris. Je vais le faire. Heureusement que j'ai 8 persos, je vais le faire. Parce que j'ai pas regardé, j'étais à combien de millions d'XP sur mon cra. De base, hein, je parle pas en termes de level. Bref, vous allez comprendre. Je vais noter. Parce que ça se trouve, là, je viens de prendre 1 milliard d'XP, j'en sais rien. Je pense pas, hein. Plutôt 500 millions. Donc, l'Eniripsa. On passe à l'Eniripsa. Par contre, il y a du monde, là, à la banque. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils foutent à camper, là. Mon Eniripsa, je vais noter, comme ça, vous allez comprendre. Parce que, bon, là, vous savez combien de Kama j'ai pris. Vous savez combien de ressources j'ai pris. Vous savez combien de niveaux j'ai pris. Mais combien d'XP, au total, j'ai pris. Alors, j'ai 1,087,057,525 XP. On passe à l'Eniripsa du coup. C'est parti. Donc 175. J'ai bien noté, hein, j'ai 1 milliard. $1,087,057,525 XP. J'ai pas besoin de commenter, les gars, je suis encore sous le choc, c'est tout. 10 niveaux, 5 millions de Kama en cash, pratiquement. C'est un délire. Cette vidéo, c'est un délire. C'est monstrueux, vraiment. Et quand je vous ai dit que j'allais retourner le serveur, c'est pas pour rien. Il y a des gens qui se sont moqués de moi, mais... En attendant, en 3 mois, j'ai fait ce que eux n'ont même pas fait en 3 ans. Et quand je dis eux, c'est les petits rageux qui parlent. Parce qu'en 3 ans, ils sont là, ils sont d'un niveau médiocre. Là, j'arrive, bah, là, au moment où je vous parle, les gars, j'ai 150 millions de Kama en cash en 3 mois avec une team. Vous en faites pas, hein, la vidéo de demain quand je vais la poster, où je serai 199. Mais voilà, en 3 mois, même pas en 3 mois finalement, parce que c'est seulement grâce au confinement que j'ai pu avancer aussi vite. Mais voilà, en 3 mois, j'ai fait ce que certains n'ont pas fait en 3 ans. Donc, ceux qui parlent, oui, tu retournes le serveur de rien du tout, bah, vous verrez. De toute façon, vous verrez. Pour le moment, c'est un début de retournement de serveur. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, 4,6 millions pardon, en cash. On passe aux Zobal. C'est un délire, c'est tout. C'est juste un délire, les gars. Que voulez-vous que je vous dise? Hop, le Zobal, on vérifie. 0%. Voilà.
Le Zobal qui passe 175, qui débloque Mascara. D'ailleurs, les gars, je suis passé 174 du coup avec le Zobal et j'ai débloqué le sort Plastron rang 3. Enfin, la zone est potable parce que la zone de Plastron rang 1 et rang 2, mon dieu, qu'elle est horrible. Quand vous avez l'habitude de jouer un Zobal 200 et que vous jouez avec Plastron rang 1 ou de rang 2, c'est horrible. La zone, elle est beaucoup trop petite. Donc voilà, le Zobal bah, qui passe 180, hein, que voulez-vous? Retournement de serveur, c'est que le début, c'est que le début, l'émeraude, pourpre, tout ça, c'était de la gnognotte. Le tutu arrive, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Le tutu arrive, tout comme le DDG arrive. C'est pareil, c'est marrant parce que à chaque Dofus que je m'apprête à faire, on me dit Joy, fais gaffe, ah si ou ça, tu vas galérer. Alors l'émeraude, on m'a dit c'était les bandits, une difficulté zéro. Sans me vanter ou quoi, c'est même pas question de se vanter ou quoi, c'est juste c'est une question de motivation. Moi je me booste comme ça, tout simplement. Je me dis ça c'est facile et j'y vais, basta. À un moment, il faut arrêter de penser qu'un mec est arrogant parce qu'il dit que ça c'est facile ou quoi. Non, ça a rien à voir. Je me booste comme ça et j'ai tout à fait le droit de me booster comme ça. Parce que voilà quoi, c'est. Le tutu il arrive, pareil, tutu. On parle de Bolgrot. Sérieusement, Bolgrot, c'est qui Bolgrot? C'est personne Bolgrot. Voilà, c'est comme mini golem du Dofus pourpre, c'est personne. Les bandits, c'est personne. Dans le tutu, on aura qui à affronter? On aura plein de trucs à. Pas dans le tutu, dans le DDG. On aura plein de trucs à faire. C'est pareil. DDG, c'est bidon. Je l'ai fait sur le Kra il y a 4-5 ans. Le nébuleux. Nébuleux, à la limite, il y a un peu de niveau, quoi. À la limite. Voilà, les nuits qui passent 184. Et du coup, maladresse rend 3. Ça, c'est bien. Je crois que ça kick 3 PM. Passe à la F4. J'ai pas envie de faire de fail, hein, c'est pour ça que je vérifie à chaque fois l'XP. Donc là, F4, les amis, on accepte tout. Cette vidéo est incroyable. Pour ceux qui se rendent pas encore compte, je viens de prendre 10 niveaux sur toute une team. Attendez, j'ai oublié de regarder. Bah, on va regarder. Je vais regarder sur Lenny, j'ai pris combien d'XP. Mais pour ceux qui se rendent pas compte de cette vidéo, je viens quand même de prendre 10 niveaux sur une team de 8. Et je viens de prendre combien de Kama? 35, 37 millions en cash, plus 30 millions de ressources, bref, en tout il y a pour 65 millions de cas. Donc je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas encore compte. Moi-même, je me rends pas encore compte de ce que je suis en train de faire, d'accomplir finalement. Mais voilà, oui, donc après le tutu, il y aura le DDG, après le DDG, il y aura le nébuleux, après il y aura l'abyssal, après il y aura. Tôt ou tard, de toute façon, il y aura l'ivoire, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y aura l'ivoire, l'ivoire et le vulbis, ça je les garde juste à la fin. Je verrai si je peux faire l'ébène avant, parce que. Enfin, je verrai, de toute façon, je garderai le plus long et le plus dur à la fin, mais c'est vrai que le vulbis, faudrait dropper tout ce qui est paragon, donc ça, bon, ça va être assez. Ah oui, donc l'Eniripsa, je voulais juste vous montrer du coup. Donc c'est bien ce que j'ai dit, j'ai pris 500 millions d'XP. Voilà, j'ai donc 1 500 000 000, et du coup là j'étais à 1 milliard 100 millions, ouais j'ai pris 400, entre 400 et 500 millions d'XP. C'est énorme les gars, juste un clic, hein. Juste un clic, je le répète. Et on passe les gars au dernier personnage, donc, et puis la vidéo s'arrêtera là, hein, tout simplement, parce que moi ce que je fais d'habitude quand j'accepte mes succès, je les revends, les ressources. Je revends les ressources en HDV, sauf que si je fais ça dans cette vidéo, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc voilà les gars. Voilà. 4 jours de rush. 10 niveaux. 60 millions de kama. Des ressources de partout. C'est magique. C'est dingue. Bref, cette vidéo va se terminer, bah, du coup là très bientôt, dans quelques secondes. Merci d'avoir visionné tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Merci de me soutenir aussi tous les jours, parce que tous les jours je vous assure que je reçois beaucoup de soutien. Je parle souvent des rageux, mais je vous assure que niveau soutien les gars, c'est encore plus dingue quoi. C'est encore plus dingue. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez bombarder les pouces bleus. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire. Comme je vous l'ai dit, moi les gars, alors après cette vidéo là, je vous cache pas, je vais faire une bonne pause. J'en ai besoin parce que j'ai rushé sale quand même pendant ces 4-5 jours. Mais voilà, qu'est-ce que je vais faire juste après avoir mangé? Je vais monter niveau 199. Je vous ai pas montré, je suis désolé. Pourquoi est-ce que je terminerai cette vidéo là-dessus? Désolé. Donc regardez juste là dans le canal. Voilà, Stick Boom passe 184. Voilà, on a tous les niveaux. Bref, c'est un délire.
Oui, donc désolé, j'ai pas montré. Du coup, j'ai combien de kamas en tout? Désolé, je vais vous montrer du coup. Parce que c'est vrai que c'est bien beau de montrer. Bah après, bon, vous aurez pu faire juste un simple calcul, c'est vrai. Mais je vais quand même vous montrer pour les flemmards. Regardez juste ça. Hein. Attendez, juste. Trié par prix moyen du lot. Voilà. C'est un délire. Regardez toutes les ressources qui valent cher. Pour 3,5 millions de ressources par personnage. Donc. Je vais vous montrer, je suis désolé parce que c'est vrai que j'aurais pu. Bon, niveau ressources, regardez, hein. J'ai 6000 pods. Je suis blindé sur tous mes persos, je peux même plus bouger, sauf sur le crâne, hein, bien sûr. Donc voilà, là je donne juste les kamas. Histoire que je vous montre, et comme ça je découvre en direct parce que j'ai pas fait le calcul. Mais je crois que j'ai quelque chose comme pratiquement 150 millions de kamas. Il y a encore quelques jours, j'avais 50 millions de kamas. Voilà, histoire de vous donner un ordre par rapport à ça. Une petite idée par rapport à un nombre de kamas que je me suis fait ces derniers jours, tout simplement. Et encore, j'ai encore beaucoup de choses à. J'ai encore beaucoup de choses à vendre en HDV. Mais bon, ça je verrai après, de toute façon, là. Parce que je vous cache pas, là j'ai faim, les gars. J'ai faim. Donc, voilà, voilà. Donc, on va faire une pause et on va aller manger. Donc, voilà, 4 millions 6. Je crois que j'ai donné sur tout le monde, je suis pas sûr. Je vais vérifier en 2-2. Attends, je regarde combien j'ai combien. J'ai combien. 100. Bref, j'arrondis 150 millions de cas. J'ai 148,5 millions. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. C'est tout. Honnêtement, j'ai rien d'autre à ajouter. Hein. Franchement, les gars. Voilà. Donc, rendez-vous sûrement ce soir. Ce sera ce soir, il y aura une partie 2. Où j'irai vendre toutes les ressources que j'ai, histoire de vous donner juste une idée de si les ressources sont rentables. C'est juste pour ça que je ferai cette vidéo ce soir, sinon je l'aurais fait de mon côté, ça sert à rien, trop bien, il a, je sais pas, 30 millions de ressources. Non, je vais juste vous donner une idée de ce qui se vend finalement et de ce qui part, on va dire, très bien en HDV finalement. Sur ce, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. 150 millions de kamas, donc là je viens de gagner 40 millions en cash, c'est ça, 35 je crois, 36, 37, bref, je sais plus. Mais voilà, cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que vous allez bombarder les pouces bleus. Dites-moi tout dans l'espace commentaire si vous avez kiffé ou pas cette joystick. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.